Eh ben salut à tous, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir, plutôt pour faire gagner des Bogdan à mes abonnés. Donc, il y aura un concours pour 10 personnes gagneront 2 Bogdan. Donc, en tout, ce sera 20 millions de dollars ou alors quelques dollars en plus. Voilà. Donc, comment on fait pour participer? Il faut vous abonner à ma chaîne YouTube, liker cette vidéo, la commenter. Avec le nom de votre véhicule préféré. Et voilà. Donc je vais vous expliquer un peu le principe de Bogdan. C'est un personnage avec une longue barbe qui est dans un sous-marin. Il faut aller le tuer. Donc aussi. Il y a que l'invité qui gagnera tout l'argent. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que c'est très simple. C'est pour le relancer à l'infini et pour que vous fassiez des échanges de Bogdan. Donc il faut avoir le complexe, il faut arriver à l'acte 2 et faire toutes les missions de préparation. Du coup, après avoir fait tout ça, l'équipe sous-marine va aller chercher la Stromberg pour aller dans le sous-marin. Alors que l'équipe aérienne va aller sur la pointe. La pointe, je pense que je vais la montrer dans la vidéo, c'est parce que là je vous parle après la vidéo. Là je sais pas pourquoi je m'étais arrêté. Donc pour les défis élites de ce de Bogdan. Les défis élites. C'est en premier temps pas faire de relance rapide. Il faut qu'il n'y ait aucun mort. Parce que vide l'équipe 0, c'est parce qu'on est en difficile. Et pour gagner l'un million, il faut être en difficile. Après être... il faut que l'Avenger ait moins de... Et moins de 5% des dégâts qui sont infligés. Voilà. Donc vous voyez la pointe à droite là? Enfin je la montre pas dans la vidéo. La pointe à droite. Donc celle, je sais pas pour ceux qui ont joué en mode histoire, celle de la manette à 12 000 qu'on s'en référait. Donc c'est la pointe là. Vous allez voir après dans la vidéo, je vais m'y rendre à la pointe. Donc après, nous allons aller dans le sous-marin, l'équipe, pour aller tuer Bogdan. C'est l'objectif principal de cette mission. C'est pour ça qu'on a fait toutes les missions de préparation et tout. Voilà. Donc là, j'aime bien faire ça parce que notre costume, il se change automatiquement. Donc le costume qu'on prend au départ, il sert à rien du tout. Donc là vous voyez le sous-marin. Il faudra suivre exactement le même chemin que moi dans la vidéo. Ok. Demain il y aura un nouveau glitch d'argent sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la notification. Et voilà. Donc là il faut aller tout droit. Donc là, j'ai fait un double kill. Vous allez voir, à un moment, il va se passer quelque chose. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc là, il faut bien mettre toutes vos balles dans la tête. Donc là, je l'ai pas mis dans la tête, du coup, j'ai pris beaucoup de dégâts. J'ai décidé de pas prendre d'encas. Parce que les encas, j'ai pas envie d'en prendre, ça fait perdre du temps. Là, je le tue comme ça. Donc là, je suis pas mal, je suis au-dessus de midlife. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo avec le nom de votre véhicule préféré. Donc là, moi, j'ai choisi ma grosse batteuse parce que c'est mon arme préférée de tout GTA. Donc là, je suis midlife. Midlife, ça commence à être chaud. Et c'est là que le drame va opérer. C'est que en fait vous allez voir une coupure, c'est normal parce que j'étais mort.
pendant Bogdan face à cette personne qui m'avait mis un gros headshot. Donc là, j'ai décidé de pas lui faire de cadeau. Et du coup, là, il faut aller au tableau de bord, il faut faire une photo du tableau de bord, après il faut connecter Clifford. N'oublie pas de vous abonner, de liker. Je sais que je force un peu, mais c'est très très important, très 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 important, très 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 important. Donc là, j'essaie de connecter Clifford et là, je vous laisse avec une petite musique. Donc, re l'équipe, du coup, là je sors du sous-marin. Il faudra se diriger à la pointe. La pointe, c'est la pointe là. Je sais pas si vous voyez, c'est là où il y a l'Avenger. Je sais pas pourquoi je regarde, parce que je sais que c'est là où il y a l'Avenger. Donc, si vous mourrez pas, votre ami vous récupère en jet ski. Soit il faut appeler Meriwether, demander un bateau de soutien. Et vous montez sur le bateau et vous tirez à côté de la personne qui est en train de diriger le bateau. Du coup. Sinon, ben s'il y a, ben vous allez au-dessus du sous-marin et vous attendez qu'il sorte pour vous rediriger à la pointe. C'est très très important. C'est pour les 5% de la vie de l'Avenger. Genre là, je l'ai pas fait, je suis mort. Enfin, tout n'était pas respecté. Par contre, vous venez de voir que j'ai pas du tout d'argent, c'est parce que je venais d'acheter un véhicule très très cher. Très très cher, voilà, je vais pas vous dire c'est lequel. Et du coup, ben voilà. Du coup, mon ami, il m'attend avec l'Avengers. S'il y a votre pote dans le sous-marin qui meurt, il faut que vous vous mettez en pilote automatique. Vous faites pavé tactile, véhicule imposant. Pavé tactile longtemps, véhicule imposant. Et là, vous allez sur Avenger et vous mettez pilote automatique. Donc là, c'est normal s'il me tire dessus parce que c'est un blagueur, voilà. Voilà. Du coup, là, il faut monter. Il faut aller vers l'aéroport. Donc moi je vais vous faire un cut.
Et on se retrouve dès qu'on est arrivé. Tchuss! Du coup, on est arrivé et votre ami devra quitter quand l'histoire dit toute ma vie, j'ai détesté les gens qui avaient du succès. Il quitte vraiment à ce moment-là. S'il quitte pas à ce moment-là, le. Ben, vous n'allez pas gagner. Vous pouvez pas le relancer à l'infini, ok? Donc voilà, pour le concours, il faut vous abonner. Je vous rappelle qu'il y a 10 personnes qui vont gagner 2 Bogdan chacun. S'il y a plus de commentaires, et ben, j'augmenterai peut-être. Ça dépend le nombre de commentaires. Et voilà. Donc, moi j'aime pas trop l'histoire avec sa voiture de. Voilà, on va pas se mentir, sa voiture c'est un peu de la merde. Voilà. Du coup, vous avez. Du coup, là votre ami il a quitté et dès qu'il relance son jeu, il faut qu'il spamme R1 L1 R1 L1 R1 L1 jusqu'à ce que ça mette son truc de luminosité. Donc là, gain potentiel 1 100 000, mais vu qu'il vous a mis 85%, gain réel 1 009 000. Mais sauf que les défis élites, ça les a pas comptés pour moi. Les JP, je sais pas à quoi ça sert. Par contre, on gagne pas beaucoup d'RP comparé au glitch que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo. Et moi, je vous dis tchuss et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo avec le nom de votre véhicule préféré sur GTA V Online. Et voilà, moi je vous dis tchuss!